Bonjour et bienvenue au Stade Couvert Arena de Liévin pour une nouvelle édition du magazine Si on sortait. Mais avant de sortir, moi je vous invite à rentrer. Au sommaire aujourd'hui, le vernissage de l'exposition et de la statue Tenir du Louvre-Lens, la rencontre avec le quatuor Araucana, le forum bien-être et santé de Angres et pour terminer, l'agenda. Pour démarrer, le reportage de l'exposition et de la statue Tenir au Louvre-Lens. Ce mardi 16 octobre, au Louvre-Lens s'est déroulé le vernissage de l'exposition Tenir de Françoise Petrovitch, une artiste contemporaine que nous avions rencontrée sur Télégoël. Le Louvre-Lens accueille sa première exposition sur une artiste contemporaine dans son aile du pavillon de verre, dans laquelle nous pouvons admirer une sélection des œuvres récentes de l'artiste, des dessins, des peintures et des sculptures qui s'intéressent aux individus qui vivent dans la misère. Mais l'élément principal de cette exposition se situe un peu plus loin, dans le parc du musée, avec la statue Tenir, un projet vieux de 9 ans des habitants de Liévin, membres de diverses associations telles que la Ligue des droits de l'homme ou ATD Carmonde, qui voulaient une vitrine sur le monde défavorisé et rendre hommage à ceux qui luttent contre la misère. Nous, on a commencé à faire la demande il y a 9 ans. Déjà, il y a un premier artiste qui est venu, il y a à peu près 8 ans. Et l'œuvre qu'il voulait nous montrer, ça ne nous inspirait pas. Puis après, il y a à peu près 3 ans, on a rencontré la deuxième artiste, Françoise. Et de là, elle nous a écouté chacun, qu'est-ce qu'on voulait vraiment et qu'est-ce qu'on attendait de l'œuvre. Et après, elle a fait donc un croquis. Elle nous a réunis encore une deuxième fois à Liévin pour nous montrer le croquis. Et pour nous, ça a parlé. Parce que vraiment, ça représente quelqu'un, une personne qui veut retirer une autre personne de la misère qui est par terre. Même le fait de la voir, ça me fait énormément plaisir. Vraiment. Et c'est un peu dur là. Et je dirais aussi que grâce à ça, on devrait en fait, même si nous on est dans la misère, aider son prochain. Et c'est ce qu'on dit souvent, pas parce que toi si toi t'as pas, donne. Parce qu'on a tout le temps pire que nous. Et si tout le monde ferait ça, ben, tout le monde pourrait s'en sortir et on vivrait quand même dans un meilleur monde. Moi je sais de quoi je parle, moi avec elle je l'aide beaucoup. Elle s'en sort aussi grâce à moi parce que je lui dis faut pas rester dans son coin. Faut se battre, la vie elle est belle, faut continuer. Merci. Un projet qui veut faire bouger les choses et qui est la première œuvre d'art pérenne à prendre place dans le parc du musée. L'exposition Tenir sera visible jusqu'au 29 octobre 2018 au pavillon de verre du Louvre-Lens. Nous sommes toujours dans le stade couvert de Liévin où aura lieu le 24 novembre un concert unique et original proposé par le groupe Araucana que l'on rejoint tout de suite. JF, Valou, Yan et Max. Oui, c'est ça, bonjour. Alors avant de parler de votre date anniversaire le 24 novembre, où vous avez fêté vos 10 ans, on peut revenir sur Araucana. Comment tout a débuté pour vous ? Eh bien, Araucana, c'est une bande de potes. On joue ensemble depuis 2008, juin 2008 exactement. On a fait pas mal de choses. On a commencé par des petits concerts comme tous les groupes. Et on a sorti un EP en 2012. Voilà, qui s'appelait Chansons, Singeries et Poésie, puis un album en 2017 produit par notre public qui s'appelle Dans le sens du poil. Et on a fait 4 tournées en autoproduction depuis 2015, près de 300 concerts à travers la France. Et puis voilà, là ça, on fête nos 10 ans cette année. Ah bah oui, ça fait beaucoup d'événements. Alors Araucana, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi avoir choisi Alors je sais que c'est la thématique du singe. D'où vient ce thème? Mais c'est Araucana, c'est un arbre qu'on appelle l'Araucaria Araucana. Ça nous vient de JF qui a une formation de paysagiste, donc il nous a appris un petit peu tout ce qui était les plantes, les arbres, etc. avec leur étymologie. Et donc nous on a décidé de s'appeler Araucana. L'arbre s'appelle en Europe Désespoir des singes. Du coup, comme on était 3 chanteurs au début, on a pris un petit peu comme symbole les 3 singes de la sagesse. Et puis on a gardé ce thème du singe et de la banane au fur et à mesure, voilà, du temps.
Alors vous n'êtes pas venu en costume aujourd'hui. Je pensais vous voir habillé en singe ou en... Ce sont des tenues de scène avant tout. Des tenues de scène, votre spectacle est très... Et très rythmé, positif, c'est pour toute la famille. C'est ça, toutes les générations, tous les styles, tout le monde y trouve son compte. Musicalement, on est inspiré par plein de choses, donc c'est de la chanson française pop-rock, mais il y a plein d'influences, c'est très très divers. Et ouais, c'est intergénérationnel surtout, ça plaît de moins de 7 ans à plus de 77 ans. On se marre, on s'amuse, on danse. Alors c'est ce que vous nous préparez le 24 novembre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette date anniversaire que vous allez fêter ici dans le stade de Liévin? Si quelqu'un veut en dire un peu plus. Ouais, allez. Alors oui, donc pour le 24 novembre, c'est comme disait Max, c'est l'occasion de faire une grosse fête pour les 10 ans. Mais aussi de remercier un petit peu tous les gens qui ont pu nous aider, de faire un gros mélange de tout ça, de faire une grosse fête le 24 novembre. Et de rester un petit peu sur les mêmes délires qu'on a pu avoir pendant 10 ans, mais d'apporter aussi une nouveauté, parce qu'il y a des gens qui nous ont vus X fois. Donc là, le but, c'est de garder, entre guillemets, notre public, mais d'éventuellement ouvrir nos portes à un nouveau public. Donc voilà, donc grosse soirée avec beaucoup de surprises et beaucoup d'invités aussi, puisque, comme c'est écrit sur l'affiche, Araucana & Co. Ah oui. Donc... on ne sera pas tout seul sur scène, il y aura pas mal de musiciens et peut-être des choses plus mystérieuses aussi. N'en dis pas trop. Je ne vais pas en dire plus. Oh là là, non. Alors, on peut trouver les informations ou sur Internet, comment on fait pour réserver? Les places sont en vente sur tous les sites de vente habituels, comme la Fnac, Carrefour, Auchan, Ticketmaster, enfin vraiment... Tous les moyens d'acheter des places habituellement. Quoi. Et si on veut vous écouter avant le 24 novembre? Ah là là. Ah là, on peut nous écouter sur plein de supports, sur tous les supports d'audio streaming comme Deezer, Apple Music, Spotify, et trouver toutes les vidéos sur YouTube et aussi toutes les vidéos récentes et tous les délires sur notre page Facebook. Voilà. Bon, ben merci à vous. Ben merci. On se donne rendez-vous le 24 novembre ici au stade Arena de Liévin. Avec plaisir. D'ici là, ben bonne répétition et gardez la banane. Gardez la banane. Gardez la banane. Ah, 25. 25. D1, E3. Ah, F12. 25 F12. Ça y est, j'ai ma place pour le concert. C'est vrai que je suis un petit peu à l'avance, mais c'est pas grave. En attendant, on regarde le reportage sur le forum Bien-être et Santé à Angres. Bien, le forum Santé Bien-être d'Angres, c'est la 3e édition. Cette année, nous l'ouvrons à l'ensemble de la population et non plus qu'aux enfants et leurs parents. Donc, bah, comme vous savez, la santé, c'est un état de bien-être général, hein, psychique, physique et social. Et on est soucieux, nous, du bien-être de vivre ensemble sur Angres. Alors, vendredi, ce que vous pourrez avoir comme dépistage, notamment bah, par exemple des dépistages du diabète, vous aurez des ateliers aussi d'équilibre alimentaire, vous aurez aussi des ateliers de psychomotricité, vous aurez des conseils aussi auprès des services d'addictologie sur l'arrêt du tabac, on est en plein dedans, alors il ne faut pas hésiter à vous faire aider. D'autre part, nous pourrons aussi avoir une table ronde qui aura lieu à partir de 17h sur différentes thématiques comme les troubles des apprentissages par le docteur Terry. Vous aurez aussi la vaccination grippale, on est vraiment dans les actes de prévention avec le docteur Tison. Et d'autre part, vous pourrez aussi avoir, là, sur l'axe bien-être, l'association sur le yoga, ainsi que sur la sophrologie et une aparté sur le snozzolène.
D'autre part, n'oubliez pas une démonstration des chiens de sauvetage au niveau du plan d'eau. Et puis, pour le plaisir d'être ensemble et de la convivialité, nous organisons un thé dansant à la salle des fêtes avec Atout Danse, qui est une société de danse de salon sur Angres, ainsi qu'avec l'association de la JAM, l'association pour les jeunes, donc d'où l'intergénérationnalité. Et nous avons aussi Au fil des ans, qui est le club de nos aînés, qui là va nous amener les petites douceurs de plaisir avec les bons petits gâteaux qu'ils auront confectionnés. Donc je vous invite tous à venir partager ce bon moment de convivialité, de bien-être et de santé. Du théâtre humoristique avec Tinder Surprise, c'est ce vendredi 19 octobre à 20h au théâtre Le Colisée de Lens. Samedi 20 octobre après-midi, une randonnée sur les terrils de Fouquières et de Arne en famille et c'est gratuit. Les 27 et 28 octobre, le grand gala d'accordéon par l'association Un élan pour Miguel, c'est à Liévin, au Chalet Brand. Le spectacle Les liaisons dangereuses, le jeudi 8 novembre à 19h30 à la scène du Louvre-Lens. Voilà, votre magazine Si on sortait est terminé. Moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, trouvez la sortie et bon week-end.